Monsieur le Président, j'ai l'honneur de me lever en chambre aujourd'hui afin de souligner une personne qui a su y donner du sien dans un temps de crise. Un parmi tant d'autres, bien sûr. Originaire de Rogersville, M. Turner Chiasson travaille comme physiothérapeute à l'extramural de Blanche-Bourgeois à Dieppe. Sébastien était l'un de deux physiothérapeutes qui est allé travailler au manoir Notre-Dame, site de l'éclosion de la COVID-19. Durant l'éclosion, les résidents étaient confinés à leur chambre et faisaient beaucoup moins d'activités physiques. Comme nous le savons tous, l'activité physique est très importante, mais encore plus pour les personnes âgées. Comme on dit par chez nous dans le comté de Kent, c'est grouille ou rouille. Sébastien a été une partie très importante de l'équipe de l'éclosion afin d'éviter les blessures et les détériorations de la santé de plusieurs des résidents pendant cette période très difficile pour tous ceux et celles qui étaient impliqués. Monsieur le Président, j'invite les membres de l'Assemblée législative à me joindre en félicitant Sébastien Turner-Chiasson ainsi que tous ceux et celles qui ont été sur le front lors de cette pandémie.